Parmi la foule automatique dans le métro, il me tenait d'affreux propos pornographiques auxquels rien je ne comprenais. En expertise digitale, une main chercheuse et discrète sur ma colonne vertébrale tapotait une musiquette. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Un souffle puissant d'asthmatique et malodorant par surcroît m'obligeait à une gymnastique pour m'éloigner du maladroit. À me voir frétiller de la sorte, une dame en courroux s'écria: pour la bagatelle de la porte, elles sont championnes à cet âge-là. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. En me retournant sans douceur pour insulter le téméraire, je m'aperçus avec stupeur qu'il était presque octogénaire. C'était un barbu abondant et le visage débonnaire qu'on voit sur les billets de 500 lui ressemblait comme un vieux frère. Je compris qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Mais au diable les convenances que m'enseignait ma maman. Peut-être qu'en cette circonstance, elle en aurait fait tout autant. J'apostrophais le vieux butard avant de franchir la portière. Souvenez-vous d'Hugo Victor, relisez-la.